Comment l'avez-vous trouvé? Il m'a été confié. Vous voulez dire que c'était un chevalier? Messire Bors de Ganis. Messire Bors a disparu depuis la quête du Graal. Il est donc toujours vivant, en Inde orientale? Je n'ai pas dit qu'il était encore en vie. Eh bien, salut tout le monde, c'est Xvesca. Aujourd'hui, on se retrouve peut-être pour le dernier épisode, ou peut-être pour l'avant-dernier épisode de The Order, mais... 1886. Vous savez, c'est ici, après que notre ami Galahad ait fait une chute de 1,5 km au nom de la flotte. Ah, super. Patrouille de la compagnie, les loulous. Il va falloir jouer discret. Ah, celui qui tire en plusieurs coups, d'accord. Bim, ça fait boum dans ton cul. Oh, lol. Bon, tous morts. C'est chiant, on peut pas courir. Fille. Oh merde. D'autres gardes arrivent du tunnel de gauche. Ah, là. En ta gueule. Viens. Lol. Ok. Homme de la compagnie à terre. Bon. Et des renforts sont en route. Tout à fait d'accord. Soyez prêts. Oh, oh lui. Lui, c'est une balle à mort. Lui, ça va être une balle, un mort. Au fond, j'y vais. Un petit strike. Quand je vous le disais que avec cette arme, c'était une balle, un mort. Il faut que je recharge. Ça fait beaucoup de cadavres par terre. Et de la mune ici? Non, que dalle. Ah merde. Ah, de la mune! Ah oui, de la mune! Whitechapel est par là. Dame Ygraine, tout semble indiquer que plusieurs personnes sont passées ici. Messire Galahad a dû être aidé. Informez le conseil que nous avons le malfrat. Ordonnez à tout chevalier de se diriger vers Whitechapel. Oui, madame. Que Dieu m'en soit témoin. Je mettrai un terme à cette rébellion. Tout le monde, partez! Vite! Nous devons fuir. Les autorités vont prendre d'assaut Whitechapel d'un instant à l'autre et arrêter tous ceux qu'ils trouveront. Prenez ce que vous pouvez et filez. Il me reste une chose à faire au palais. Avez-vous perdu la tête? Vous devez absolument éviter le palais. Je vais mettre Nicolas en lieu sûr. Je lui dois bien ça. Alastair vous connaît. Il attend votre venue.
je sais. Nous irons ensemble. Non. C'est un combat que je dois mener, seul. Et si j'en sors vivant, je vous retrouverai. Qu'il en soit ainsi. Vous l'ignorez ? Je ne suis plus chevalier. Vous n'êtes pas chevalier, monsieur. Mais êtes-vous un renégat ou un patriote ? Que suis-je à tes yeux, Marquis ? Je pense que vous avez vos raisons. Après deux révolutions, je sais que les deux camps sont tout aussi dangereux. Je ne l'oublierai pas, Marquis. Je l'espère bien, monsieur. Mais si vous menacez la liberté, Lafayette comptera parmi vos plus fermes opposants. Adieu, monsieur. À la prochaine fois. Oui. À bientôt, mon cher. Vous partez déjà ? Davy. Vous vous souvenez donc de mon nom ? Je vous dois des explications. J'aurais dû vous faire confiance. Nous n'avons pas le temps pour les civilités. Vous avez l'air de chercher à vous faire tuer. Je dois régler ça. À tout prix. Bon, tenez. Oh, et revenez en un seul morceau. Ma reine semble vous apprécier particulièrement. Oulala, chapitre 15, ça rigole plus! On est presque à la fin, là. Mais ouais, on va aller sauver notre ami Nicolas Tessa. Ah. C'est chiant, je peux pas viser ici. Bonjour! Allez, ouvre. Ouvre la petite porte. Nicolas, répondez. Je suis dans les catacombes, je vous rejoins. Messire Galahad, avez-vous perdu la tête ? Ne venez pas par ici. Ne bougez pas, j'arrive bientôt. Tant qu'il n'y a pas de passage d'infiltration, moi je suis content. C'est tout ce que je veux pas, des passages d'infiltration. Tant pis, on va tuer des alliés. Enfin, des anciens alliés. Ah, je préfère ça au final. Ce sera peut-être plus efficace. Pas des mines, toi ? Non, dalle. On va essayer de pas trop gaspiller les munitions. Ah oui, vous êtes bien mis ? Comment j'ai eu la frisée ? Oh merde, j'ai... Oh, j'ai de la rame ici. Oh, j'ai de la rame. Oh merde. Ah, ça y est, ça rame plus, d'accord. C'est relou le freeze là. Voilà, terminé. Oh mais ce passage il a lagué mais comme pas possible quoi. Oh
Oh, j'ai halluciné. Tu fais non, on va être pas sérieux. Ah, c'était pas ça que je voulais prendre, mais bon. Bon, on peut peut-être l'utiliser temporairement. Messire Galahad, nous allons peut-être avoir un problème. Messire Lucan va bientôt arriver. Nicolas, vous devez partir d'ici, vite. Allez, laissez-moi. Je laisserai la communication ouverte de mon côté. Tout va bien se passer. Ne faites pas n'importe quoi, Nicolas. C'est pas vrai. Nicolas. Ne fais pas n'importe quoi, mon gros. Ah, fusil électrique. Voilà, le fusil électrique, c'est la vie. Ouais, finalement c'était pas, peut-être pas faire le coup ce que j'ai fait. Ah la termite. Je charge, fais chier. Prends l'arme. Bon. Ah non, c'est pas bon. Les petits cons. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Il est un peu chaud du string. Oh oh oh. C'est quoi ça? Le fusil à termite, c'est la vie. Je l'avais dit, c'était la vie, le fusil à termite. Voilà, trop de pression. Allez, mourez là. What? Oh l'enculé, il m'avait contourné quoi. What? D'où t'as rien pris? Allez. Allez deux. Genre tous les trucs que j'ai balancés, il y en a même pas. Il y a même pas un de ces trucs qui a pété quoi. Pour vous, messire Lucan. Suivez-moi.
J'aimerais vous parler de certaines choses. Viens, Métir. Satané à la terre. Vous le pétez à la terre. Allez, faut monter. Quelque chose en haut ? Non, personne. Ouf ! Ça devient chaud là. Ça devient chaud du string là. On sent que notre ami est pas content, hein. Quick ! Ouais, ben, vous avez tout refilé, c'est bien ça. Nicolas, qu'y a-t-il ? Dame Lakshmi avait raison. Il savait. Je vous sors de là. Allez. Il est toujours là. C'est trop tard. On peut plus rien faire. Il me reste encore une chose à faire. Vermine ! Toi et moi, nous ne sommes pas si différents. Je fais le nécessaire pour protéger les miens. Nous luttons seulement pour pouvoir survivre. C'est un mensonge ! Un jour, peut-être, tu comprendras. Pardonne-moi, Grayson. J'aurais voulu une autre issue. Putain, y'a des brains sur les QTE, quoi. Ah.
vécu trop longtemps pour ignorer que ce jour viendrait. Pourquoi, Alastair ? Tu t'es battu des années à nos côtés. J'ai vu des choses que je suis condamné à ne pas oublier. Des civilisations nées et détruites par la cupidité de l'humanité. Des hommes pleins d'orgueil massacrant leurs frères au nom de prétendus dieux. Nous nous rachèterons le moment venu. Mais comment peux-tu justifier les atrocités commises par Étienne ? Les miens ? Les miens ne sont pas pires que les tiens. Mais... et ta sœur ? Et ton père ? C'était des mensonges ! Izzy, mon père... je les ai aimés plus que tout ! Jamais ne pourront comprendre la malédiction que j'ai endurée. Mon fils... père, pardonnez-moi. C'est à moi d'implorer ton pardon. Je n'ai jamais voulu cette vie pour toi. Vous saviez. J'ai toujours su. Je l'ai recueilli après le massacre de sa famille. Ton père a succombé à mon épée. Mais un enfant ? Tu ne méritais pas un tel sort. Comment aurais-je pu prendre la vie d'un innocent ? Faites part de ces informations au Conseil. C'est le seul moyen de réparer les ravages qui ont été causés. Impossible ! Cette révélation déstabiliserait l'ordre de manière irréversible. Je dois être sacrifié. Combien devront encore mourir pour maintenir cette loi du silence ? C'est mon fils. Je ne peux être celui qui lui donne la mort. Isabeau et le Conseil ne doivent jamais savoir la vérité. Ou ceux qui vous sont chers périront. Ne me demandez pas ça. À présent... vous devez vous éloigner des autres chevaliers. L'ordre doit rester uni. Vous n'êtes plus l'un de ces héros. Finissez votre travail et partez. Les hommes n'étaient pas censés vivre cette vie. Messire Galahad, Londres tout entier vous cherche. Nous devons nous hâter. Messire Galahad, vous m'entendez ? Messire Galahad. Calmez-vous, Nicolas. Tout va bien. Vous avez raison, mon ami. Le Conseil a décrété la loi martiale dans toute la ville. Il est impossible de dire quand les autorités décideront de passer à l'offensive. Il est trop tard pour chercher à jouer les héros. Je pense que nous devrions suivre Dame Lakshmi et quitter la ville. Je reviens très vite.
vous ne savez pas, je ne suis plus Galahad. Bon ben voilà, terminé. Là là. Là là. Je vous avoue honnêtement que c'est très difficile de donner un avis concret sur ce jeu. D'un côté, je n'ai aucun mépris envers ce genre de jeu, qui est un jeu qui est clairement plus basé cinématographique que sur le gameplay. Parce que moi, je sais que quand je joue à un jeu, je joue surtout pour le scénario et gameplay un peu aussi. Mais je vous avouerai que en général, principalement, je regarde après le scénario. Et là, je dois avouer que The Order 1886 remplit parfaitement sa tâche d'offrir un scénario franchement intéressant. Bon, peut-être un peu classique, mais voilà quoi. Il y a des choses qui rendent ce jeu unique en fait. Je ne saurais pas expliquer quoi. Il y a des jeux comme ça que vous y jouez et vous voulez continuer à jouer dessus en fait. Peu importe tant que vous devez y passer. J'ai eu souvent, enfin pas souvent mais quelquefois ce genre de réaction, notamment pour les Yakuza. C'est une série que je connaissais absolument pas. Et quand j'ai commencé Yakuza 3, je n'ai pas pu décrocher avant de l'avoir fini en fait. Et là j'avoue que The Order, franchement si j'avais pas dû faire le playthrough, je crois que je l'aurais fini Day One. Parce que il est génial. Pour moi, il est génial, The Order. Maintenant, c'est vrai, il a des tares, il a des grosses tares, notamment au niveau du gameplay. Trop classique, pas assez de temps de jeu. Les combats aussi contre les Lycans sont vraiment décevants, c'est même de la merde en boîte, pour tout vous dire. Comme vous l'avez remarqué dans un autre épisode, il suffit juste de viser, de spammer la touche X et c'est terminé, quoi, vous les pétez facile. Je sais pas, c'est supposé des ennemis supérieurs aux humains et finalement, bah, ils valent pas grand chose. C'est un peu frustrant et décevant en même temps. Aussi, d'autres déceptions, j'aurais bien voulu pouvoir affronter un vampire. J'aurais bien voulu pouvoir avoir un boss de fin vampire, ça aurait été cool. Mais à la place, on s'est tapé un boss de fin QTE. Enfin, vous me direz, c'est fait exprès, c'est voulu. Pour donner un aspect vraiment encore une nouvelle fois cinématographique à ce combat dantesque entre Galahad et Lucan au final. C'est très bien fait, franchement je n'ai aucun reproche à lui faire tout ce qui concerne cet aspect cinématographique. La bande son idem, les graphismes idem, c'est peut-être l'un des jeux les plus beaux que j'ai vu. Maintenant c'est vrai que ça fait... C'est vrai que le jeu est très fermé, le jeu est très 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 fermé. Mais bon, quel jeu n'est pas fermé de nos jours, hein, à part des Skyrim ou des GTA. C'est très difficile de trouver un jeu qui vous propose un minimum de liberté d'action, surtout dans le genre TPS, c'est pas simple. Hein. Donc honnêtement pour ça, je ne lui en veux pas d'avoir été un couloir. Je ne lui en veux absolument pas d'avoir été un couloir. Ensuite, mais voilà, les points faibles, c'est clairement le gameplay et la durée de vie. Il aurait mérité d'être plus long, j'aurais préféré qu'il dure une bonne dizaine d'heures. Je pense que je m'en serais pas lassé. Honnêtement, je ne m'en serais pas lassé. Mais c'est vrai que là, c'est un peu court. Hein. Si en plus de ça, c'est vrai, il y a beaucoup plus de cinématiques que de gameplay au final. Maintenant, comme je vous l'ai dit, moi, ça ne me dérange absolument pas. Mais vous, par contre, ça risque de vous déranger, clairement. 60€... pour un jeu où est-ce qu'au final on doit peut-être jouer 2 ou 3 heures maximum, c'est vrai que c'est cher payé, c'est très très cher payé. Mais globalement, moi j'en suis très content. J'espère, avec toute la sincérité du monde, que The Order 2 sortira. Si je dois donner un message à Ready at Dawn, j'ai envie de leur dire, ne vous arrêtez pas sur la critique les mecs. Pour moi, vous avez fait du bon boulot. Vous avez montré que vous avez des équipes artistiques dantesque, c'était vraiment magnifique, la ville de Londres et ses combats, ce scénario, bref, c'était génial. Pour leur premier vraie licence, je trouve que c'est réussi. Certes, il y a des tares, mais si on s'arrête à ça,
je trouve ça un peu débile en fait. Si ça vous rebute tellement de l'acheter à 30€, n'hésitez pas à le chercher en occasion parce que, soyons francs, beaucoup de gens vont le jouer, vont le finir et vont le revendre. C'est comme ça que ça marche, hein. C'est un peu comme Metal Gear Solid 5, hein, Ground Zeroes. Je pense que c'est le jeu où est-ce qu'il y a peut-être eu le plus de ventes en occasion, parce que c'est vrai qu'une heure de gameplay, voilà quoi. Mais non, franchement, je n'ai quasi rien à lui reprocher à Zero Dawn. J'ai vraiment kiffé. S'il avait été plus long et s'il avait eu plus de gameplay, je pense qu'on aurait peut-être une licence qui aurait talonné The Last of Us, honnêtement. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, j'espère que pour le prochain, ils vont vraiment se donner à fond. S'il y en a un. De toute façon, il y a intérêt à en avoir un. Vous m'entendez, Ready at Dawn. Vous avez intérêt à en faire un. Sony, s'il vous plaît, faites-en un autre. Je veux bien attendre 3 ans pour qu'il sorte. Et qu'il y ait 10 heures de gameplay ou 20 heures cinématiques, je m'en fous, mais faites-en un autre. J'en veux un. Moi, j'en redemande. J'ai été conquis. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai adoré, voilà. Donc ça c'est mon point de finale, moi j'ai adoré personnellement. J'ai vraiment kiffé. Maintenant, vous avez tout vu, vous savez à quoi vous attendre, et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de Rock'n'Roll, n'oubliez pas d'avoir la oui attitude, comme d'habitude, je suis au cul, comme sa chanson, que c'est que sous le ton. Je vous laisse, je vous fais plein de poutous partout, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye, et bouti bouti.